Coucou YouTube! La vidéo sur laquelle on va réagir, elle a fait polémique sur Twitter. Je vous montre le tweet. YouTube est mort depuis que les TikTokers de merde ont débarqué sur l'appli. L'arrivée des TikTokers n'est pas très validée, donc on va voir pourquoi. N'attendons plus. On clique, on y va! C'est comment ton body count? J'ai un body count de 20. À quel âge as-tu fait ta première fois? 12 ans. Est-ce que t'as déjà trompé? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Oh, quoi? Elle m'a dit je fais un bisou. Quoi? Vas-y. Et Tislash va te faire enculer ou non? Popopo, c'est Tislash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo épisode 2 de Cupidate. Un garçon versus 5 filles. Non, cette fois il y en a 6. Et avec... C'est quoi cet intro de fou furieux là? Pourquoi il y a Drake derrière toi? Allez, concentre-toi sur la vidéo. Avec moi pour m'aider, toujours Papito. C'est comment mon rêve? Aujourd'hui, faut qu'on conseille bien. La dernière fois, Hugo, il est reparti tout seul. C'était vraiment à cause de toi, mon ref. Hein? C'était à cause de toi. Moi, j'ai bien conseillé. Non, on va faire mieux cette fois. Et cette fois-ci, le garçon qui est avec nous, c'est Devin. Comment, ref? Bon, moi, j'espère que cette fois, le casting, il est pas aigri. Parce que la dernière fois, on avait que des meufs fâchées qui étaient pas contentes d'être là. On dirait qu'elles étaient pas suffisamment payées. Mais là, j'espère qu'elles seront agréables et cordiales. Allez. Coche. Tranquillement. Bien. Tranquillement. Bien. Aujourd'hui, c'est pour toi. Hein. Comment ça, c'est pour moi? On va ramener 6 filles pour toi. D'habitude, c'est 5. Pour toi, là, il y en a 6. Tu sens comment, là? Simple, en vrai. On verra. T'es léger? Ouais. Et là, maintenant, on va faire rentrer les filles. Oh, Jesus. Wesh, mais... Attends. Elle était dans l'ancienne vidéo. Pourquoi elle est encore là? Tranquille. Pourquoi elle est encore là? Tiens, ok. Mais elle aussi? T-slash, recycle ton casting! Pourquoi les deux, elles sont encore là? Bon, là, elles sont toutes devant toi, tu les vois, elles sont très jolies. T'es content? Ouais, je suis content, gros. Bon, elles vont se présenter en une phrase pour toi. Je m'appelle Cyrine, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Ah ouais? Juré son ah ouais, elle était pas chelou. Il a fait ah ouais? Et tu dis quoi? Tu veux m'étudier? Je m'appelle Luna, j'ai 22 ans et je suis étudiante en psycho. Ouais, je vous ai tous à l'école ou quoi? Attends, ouais, c'est quoi son problème? Lui, il veut des chômeuses. Linaya, j'ai 19 ans, je suis promotrice, modèle photo et danseuse. Ya, il danse. Ouais. Tu danses? Ouais. Vas-y, montre. Mais wesh! Wesh! Mais il est pressé, lui. Vas-y, montre. Mais tranquille. C'est pas encore là. Je m'appelle Esma, j'ai 20 ans, je suis auto-entrepreneuse dans les énergies renouvelables et je suis modèle photo. Oh, no. Je m'appelle Grace, j'ai 18 ans, je suis étudiante. Je m'appelle Capri, j'ai 19 ans et je suis dans la coiffure. T'es timide, toi? Je suis pas timide. Est-ce que t'es prêt, mon ref? Ouais, je suis prêt, gros. Ok, on est parti, on passe à l'étape 1. T'es un peu comment, toi? Cyrine. Tu viens d'où? Paris 16. Tu fais quoi dans la vie, t'as dit? Je suis étudiante. Parle-lui de son tatouage en gel. Ton tatouage, tu l'as fait pourquoi? Parce que ça, c'est parce que c'est un ange. En fait, je suis désolé, hein. Mais vu que moi, je sais ce qu'elle avait fait dans l'autre épisode, eh ben, je sais que c'est pas un ange. Ouais, après? Et ça, c'est... Il est pressé! On continue. La musique de Summer Walker et Drake. Comment tu peux être fan de ça? La musique? Ouais. Les paroles? J'ai une petite question. T'as vu quand tu tu mets ça comme musique? Non. Ok, je comprends pourquoi la vidéo l'a fait polémique. Mais attendez, vous avez compris ce qu'il vient de dire là? Mais il est complètement fou! Wesh! Bonjour! Viens, on apprend à se connaître? La meuf, ça fait 2 minutes qu'il la connaît, c'est ça la question qu'il pose? Quand tu mougou, c'est ça la musique que tu mets? Je suis déboussolé par la violence de cette question. Tu t'appelles comment toi? Luna. Toi aussi, t'es dotée pourquoi? Comme ça, parce que je trouvais ça joli. Comment t'es habillée là? Là, c'est comme ça. C'est comme ça que tu t'habilles, là? Respecte-toi, là. Mais c'est quoi ces commentaires de fou, là? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh! Wesh! Embrouille! Tu me vannes ou quoi? Je regarde. Demande-lui, elle a combien d'ex? T'as combien d'ex, toi? 4. Et t'as quel âge? 22 ans. Elle en fait beaucoup. Demande-lui si elle aime les meufs. Est-ce que t'aimes les meufs? Ouais. Oh, j'avais. Elle a dit, j'avais, gros, j'avais. J'ai senti. Genre, t'es des deux côtés? Ouais. Et c'est quoi que t'aimes bien chez les meufs? Tout. T'as déjà pratiqué le ciseau? Mais attends, ok, non, lui il est en mission. C'est quoi ces questions de bûcheron là qu'il pose là? Mais qui pose ce genre de questions? Il va loin dans le détail. Ça fait que 3 minutes que la vidéo elle a commencé. Inaya, tu fais quoi dans la vie? Promotrice, danseuse et modèle de photo. Elle travaille en boîte de nuit, attention. Tu danses quoi? Bah, beaucoup de tout ce qui est musique créole, tu sais. Les anti-chata, etc. T'es une meuf de boîte, toi? Bah, promotrice de boîte de nuit. C'est comment ton body count? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Doucement! C'est quoi ces questions de fou furieux? En fait, lui, c'est tout ou rien. J'ai un body count de 20. Oh, Jesus Christ. J'ai jugé. 20. Bah, combien? Quoi? Combien? Non mais 20, elle a quel âge déjà? Et t'as quel âge? 19 ans. Yeah! Wow! Elle a rentré les soirées de chatin, hein. Ok. Elle a
femme polygame à 19 ans, ça dépasse le... Ça dépasse ton âge. Bonjour, tu t'appelles comment? Esma. Tu viens d'où, toi? Vers Charenton, Alfortville, ça. Oh, tu stresses un peu. Particule, par contre. J'ai rien compris de ce qu'elle a dit, là. J'ai une petite question. Est-ce que t'es refaite à 30 ans? Putain, mais... On a tous une petite voix dans notre tête. Lui, la petite voix dans sa tête, il lui laisse le champ libre. La petite voix dans sa tête, elle pose des questions, et lui, il les pose. Oui, j'ai refait mes lèvres et mon corps. Ah ouais, pourquoi? Comme ça. Pour les hommes ou pour toi? Non, pour moi. Elle a parlé français. Toi, tu m'as dit tu faisais quoi dans la vie déjà? Auto-entrepreneuse, dans les énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, tout ça. Wow, wow. Elle aussi, frère. T'as de l'argent, toi? Ça va. Bonjour. Bonjour. Très jolie, toi. Merci. Elle, ça se voit, elle a déjà trompé. Tu t'appelles comment? Grâce. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Demande-lui si elle a déjà trompé. Est-ce que t'as déjà trompé? En vrai, honnêtement, ouais. Quelle honte! Quoi? Parce que tromper, c'est très mal. Ne soyez pas fier. Parce que quoi? Parce que j'ai envie. Mais t'as envie? Y a qui aujourd'hui, là? T'as combien d'ex dans ta vie, toi? On va dire 9 et 8. Et t'as quel âge? 18 ans. Et ton budget, quand c'est combien, toi? En vrai, je compte pas. Tu quoi? Je compte pas. Tu comptes pas? Non. Comment ça, tu comptes pas? Bah, je sais pas, je compte pas. Entre 15, 18. Qui compte pas? Les gars, on est que à 5 minutes de vidéo et c'est déjà une dinguerie. Je sais pas, je compte vraiment pas en vrai. Eh, hey, y a trop de personnes à éliminer. ouais. Capri. T'es de quelle origine? Je suis ivrienne. Caprissonne? Yeah, boy! Caprice des dieux. Allez. Sénégalaise, congolaise. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Tu sais danser? Non, pas trop. Demande-lui son style de mec. C'est quoi ton style de mec? J'ai pas de style, hein, mais on va dire les luxés. Pourquoi les luxés? Je sais pas, ça rajoute un charme. C'est toi, frère. Elle a sauvé, elle s'est sauvée, c'est bon. Tu fais quoi dans la vie déjà? Je suis coiffeuse. Et coiffeuse? Je suis en cours. Tu coiffes bien? Ouais. Je suis pas en coiffée? Si tu veux. Dis que t'as pas d'argent. C'est combien? On verra ça en privé. Bon, c'est la fin de la phase 1. Là, il y a beaucoup d'informations. Vas-y, on va aller l'aider. On va aller l'aider, là. Faut aller... Non, mais Tislash, il allait faire où son casting, là? Mais frère, c'est quoi ce casting de fou furieux? Bon, la première phase, elle est terminée. Là, il y a eu beaucoup d'informations. On va t'aider à choisir parce que là... Waouh! Beaucoup à éliminer, là. Il y a des choses qui ont été dites qui, tu vois, choquent. Ouais, déjà, ouais. Toi, tu m'as dit, t'aimais quoi, t'as dit? Bah, les femmes. Ouais. Pourquoi t'aimes pas les femmes, toi? Qui est à éliminer? Franchement. La vie de ma mère, moi, je sais pas. Elles ont tout dit des dingueries, donc je serais même pas qui élimine en premier. Bah si, j'aime trop. C'est bien, ça nous fait un point commun. Ouais, c'est un coup, je suis en couple avec elle, elle aime bien, elle m'a trompé avec une raclée. Non, dingue. Mais si c'est avec un mec, ça va. Mais tu comptes me tromper? Bah non, mais pourquoi tu parles de ça alors? Toi, tu vas me tromper, toi. T'as vu? Moi, j'ai pas de problème avec des femmes, donc je crois que je vais t'éliminer, parce que... Ouais, parce que c'est tout. Sois pas triste. Si tu veux, on peut se voir. Mais pas pour du sérieux. Ah. Non merci, ça me dégoûte. C'est une dinguerie de dire ça devant une caméra. Quelqu'un peut lui dire que c'est filmé ce qu'il dit? Non mais c'est une dinguerie ce que tu dis mon frère. Ah, wow. Non c'est pas vrai, c'est vrai. Je m'en fous. Bon par contre, elle doit avoir le seum, elle est revenue pour rien. Voilà, dis bien. Ouais, solide mon gars, cap vert ça. Ah ouais, toi je t'ai pas oublié toi. T'as dit plus de 20? Non, pas plus de 20. Elle a dit 20, non? Elle a dit 20. J'ai envie de dire un de 20. 20 et t'as 19 ans? Mais j'ai préféré être honnête avec toi plutôt que mentir. T'as commencé quoi? J'avais 17 ans. Attends. En 2 ans? Non, moi, je commence pas les calculs. La vie de ma mère, ça c'est une dinguerie. La vie de ma mère, ça c'est une dinguerie. Body count de 20 en 2 ans? En 2 ans, hein. La majorité m'ont fait croire à du sérieux. Je crois ça. T'as cru à du sérieux 20 fois? Tout ce que je dis par rapport à elle, ça aurait été pareil pour un garçon, hein. Ça va pas le faire, parce que je crois que je suis pas assez expérimenté pour te faire plaisir. Du coup, c'est mort. Bah peut-être que mon body count il te plaît pas, mais en tout cas j'ai pas des idées aussi arriérées et petites que toi. C'est-à-dire ça marche pas, non, c'est pas valide. Pas validé. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça semble chaud, hein. Ça veut dire que toi tu vas préférer une fille qui va te mentir et te tromper, te dire ouais j'ai un body count de 2, d'accord? Alors que moi j'ai été honnête bah, avec ouais. Toi. Ça me rassure moi. Je m'en fous. Ça te rassure en rien, toi, il convient ton body count? Wow. Ah. Moi, on répondra plus tard, mon Je pense pas. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Il est gentil, il est poli. Ciao. C'est tellement hardcore. Deuxième étape, action ou vérité? Là, au début, c'était toi, tu leur posais des questions. Maintenant, elles vont pouvoir te poser des actions et des vérités. J'espère que t'es prêt. Hein. Mais attends, c'est chaud ou ça passe? Ça va être. Bref, il faut leur assumer. Hein. Bah, vas-y, bah, comme. C'est parti, on va faire rentrer la première fille. Là, ma partie préférée. Là, j'attends que ça. Waouh. Attends.
Bien joué, bien joué, bien joué. Ça va? Comment sauver cet homme? Ah, ça drop direct là? Lâche, pas trop. Wesh, les gars, ouais. Bon, action, vérité. Vérité? C'est quoi ta vision du couple au long terme? C'est-à-dire? Je sais pas, dans 2 ans. Moi, je me vois pas en couple. Ah, tu te vois pas en couple? Non. Pourquoi tu veux être en couple? Moi, ouais. Ça t'intéresse? Ouais. Si ça m'intéresse aussi, alors. Bah, je suis là. T'as pas dit. Non, mais je peux faire des exceptions. Ah ouais. T'es chaud? Ouais. Vas-y, après, tu m'envoies ton numéro. Ok. Action, vérité? Vérité. La dernière fois que t'étais en couple, c'était quand? Ça s'est fini en décembre 2023. Ça veut dire t'as rien fait depuis? Ça dépend, rien fait. Ouais, rien fait en mode. Bah, avec un bout. Non. Pourquoi? Parce que j'attends d'avoir un mec. Et tu peux pas faire sans? Ça m'intéresse pas. Ok, d'accord. Action, vérité? Action. T'as l'action de me dire c'est quoi ton body count? Non. Elle a rien compris au jeu. Ça marche pas. Ça, c'est une question. Action? Ouais, action. Action? Fais 20 pompes. Au nom de tes mains, frère. Comment ça, tu sais pas faire 20 pompes, mon ref? Ouais. Peut-être que si tu les fais pas, Archem. Allez, 15. Ouais. Je crois que je vais réussir à faire 20 pompes ou quoi? Son gros cul. Comment ça, t'y slash là? Casse les couilles, frère. Que t'allais les faire, je te mens pas. Attends, ils ont le temps là. Ah mon gars, tu vas venir à la salle avec moi là. Comment ça t'es essoufflé pour 20 pompes là? Action, vérité? Vérité. Non. T'as vu ta copine derrière là? Elle a dit elle aimait les meufs et tout. Et c'est ta copine? Non, ouais. J'ai tellement peur. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs ensemble? No God! Il pose des questions de fou furieux. Parce que elle aime les meufs, qu'on a fait ça avec tout le monde, toutes les meufs. Vous avez déjà dormi ensemble, non? Bah ouais. Elle t'a jamais touché? Mais c'est pas une agression sexuelle? Évidemment que non. Bon, toi, je t'ai éliminé, tu m'as fait faire 20 pompes. Non. Mais il a rien compris. Non, c'est pas maintenant. Mais il est con, ah, quoi ouais. Je suis désolé, petit frère, mais tu fais n'importe quoi. Tu me traites comme ça, alors que tu m'as tiré la chaise. Okay. Qui t'a tiré la chaise? Toi. Oh, va là-bas. Je vais niquer. Coucou. Bonjour. Vas-y, commence. Action, vérité? Vérité. T'as déjà trompé ton ex? Non. C'est vrai? Ouais. Action, vérité? Vérité. Je sais pas si je t'avais déjà posé la question, mais t'as déjà été en couple, toi? Ouais. Combien de fois? 2 ex. C'est tout? J'ai 20 ans, je viens d'avoir 20 ans. 20 ans? Et ça te dit rien d'être en couple et tout? À voir, parce que les hommes ne sont pas sérieux en 2024, donc à voir. Oh là là, ouais. Bon. C'est la ouais, vérité, non, hein? Non, je me suis fait tromper. Je me suis fait tromper, c'est la vérité. Pourquoi tu t'es fait tromper? Il y en a un, c'était le plus gros charreau de l'Île-de-France et l'autre. Mais c'est toi, tu voulais? Bah, je savais pas. Dis-lui peut-être que tu donnais pas ça bien, ouais. Est-ce que tu donnais... C'est quoi cette question de malade mental là? Donnais ça bien. Je l'ai fait une fois avec un de mes ex. Et elle répond! Mais réponds pas! Mais les gars, respectez les femmes! C'est quoi ces questions là? Et l'autre 2 fois. C'est tout? On n'a pas trop. C'est normal, t'as trompé. Bon. Hein? Non, mais la question c'est est-ce que tu mougou bien? Est-ce que tu l'as bien mougou? Les gars, elle est des manières, c'est pas les. C'est, on pose pas ce genre de questions, les gars! Je rigole! Tiens! Pourquoi en fait ce qui me choque c'est que pour l'instant les gars hein, elle a dit aucune dinguerie. Mais c'est celle qui a dit le moins de dinguerie les gars. Eh hey, t'es chargé hein. Oh. Est-ce que c'est des commentaires qui se font? À quel moment tu dis ça à une meuf? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Action de vérité? Vérité. Pourquoi vous dites toute vérité? Vous avez peur ou quoi? C'est quoi que t'aimes bien au lit? Moi ce que j'aime au lit? Oui. Bah moi j'aime bien le missionnaire déjà. You what? Action ou vérité? Vérité. À quel âge as-tu fait ta première fois? 12 ans. Oh. What did he say? Hey. Oh. Hey. C'est tôt quand même en tout ça. Ok. Une deuxième? Action, vérité. Action. Fais-moi faire des pompes, tu vas voir. En vrai, moi, c'est TDM. Mais quoi? TDM. Pourquoi tu veux voir? Parce que je veux voir. Non, oh, putain. Tu regardes quoi là? Mais j'étais beaucoup de TDM. T'aimes pas? Non, j'aime pas. Mais j'ai pas répondu. Passons à quelqu'un d'autre. On se répète après. Ouais. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu stresses ou quoi? Ah, je sais pas. Il a pas bossé la chaise là. Eh hey, papito, toi, au nom de Dieu. Là, il en a rien à foutre, frère. Hey, action, vérité. Vérité? Oh, pourquoi vous dites toute vérité? Bah, j'ai 30. Non, toi, tu vas dire action. Bah, au pire, on fait quoi si tu dis action et moi si je dis action? Ah ouais? Ouais. Bah, vas-y, action alors. Il y a moyen que tu me fies un. Un quoi? Quoi? Mais vous voulez vous rencontrer? Des bisous. Un bisou. Tu dois faire quoi? Elle m'a dit, je fais un bisou. Quoi? Vas-y. Non, mais c'est quoi ce casting de malade mental là? Ok, message à T-Slash. T'es parti les chercher où? Ces meufs. Je suis désolé, pour moi, ça c'est une dinguerie. Hein. Chouba. Chouba. Vérité du coup? Bah, action. Est-ce que t'as un meilleur ami? Un meilleur ami? Ouais. Ouais. Appelle-le.
Tu lui dis t'as des sentiments pour lui. Ça c'est drôle, j'espère qu'elle va le faire. Stress ou quoi, tu veux? Il veut le gérer? Non, je pense pas. Allô? Ouais. Je dois te dire un truc en fait. Y'a quoi? En fait, je sais pas comment le gérer. Tu vois la dernière fois? Ouais. Quand on était chez ton pote. Ouais. Bah, il s'est passé un truc, enfin, je sais pas si ça t'a pas plu ou. Et tu me racontes quoi là? Quand on était chez ton pote. Eh bref, voilà, tes blagues là, voilà, j'ai pas le temps. Voilà. C'est pas une blague, c'est sérieux. J'ai pas le temps. Non, c'est sérieux. Je remets ma casquette à l'endroit, ça devient chaud. J'ai des sentiments pour toi. Quoi, je rigole, c'est pas drôle. Voilà, je suis fatigué, voilà, je laisse mon droit personne. Ok, bah je t'appelle après. Oh, il fait grave semblant. Elle a fait. Le gars au téléphone était très concentré. C'est le mec le plus concentré de la vidéo, par contre. Le rire à 1 million de berries. C'est la fin de la partie 2. Là, on va passer à la finale. Il va devoir encore en éliminer 2. J'ai bien aimé les questions, vérité, tout ça. C'était bon. Un peu fou, mais bon. Et là, maintenant, c'est toi, tu vas devoir faire le choix. Tu vas devoir en éliminer 2. Là, c'est trop dur. Non. Respecte les femmes. Même si elles ont un casier judiciaire, respecte les femmes. On est où là? C'était une petite vanne. J'espère que tu le prends. Toi, on m'en fout. Allez. Il a pris la pire. Je vous jure, les gars, allez regarder la rediff que j'ai mis sur YouTube. Et là, vous allez capter à quel point c'est la pire. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Cyrine. Très bien. Bon, le choix, il a été fait. Et on a les deux éliminés, du coup. Non, ouais, attends, frère. Comportement. Deux éliminés, du coup. T'as quelque chose à dire Ah ouais, de toute façon, t'étais trop petit. Hein. Bah, je m'en fous, t'as une grosse bouche, allez. Non. Là, ça va être le petit moment sérieux, tu parles pas comme ça. Elle peut ne pas te plaire physiquement, mais elle t'a pas manqué de respect. Ça a été la plus correcte, et lui, il est trop dans la folie. Et bah, j'en ai un à faire parce que ça embrasse mieux. Ah ouais? Tu veux goûter? Va goûter. Non, t'es fou, quoi. De toute façon, tu m'intéressais pas. Ah, ah ouais? Pourquoi t'es venu alors? Des grosses fesses, là. Ouais. Est-il au courant que c'est filmé? Ouais. Il a aucun respect pour l'être humain, c'est une dinguerie. Non, c'est catastrophique. On est parti, c'est la finale. Catastrophique. Il n'en reste plus que 2 pour toi, Devin. On va leur poser des questions, moi et Papito. Elles vont chacune donner leur avis. Et tu vas dire lequel des avis tu préfères à chaque fois. S'il te plaît, hein, à l'avenir, ne traite pas les femmes comme tu le fais. C'est n'importe quoi. T'es encore jeune, hein. Tu nous offres un divertissement de qualité, mais j'espère que tu te comportes pas comme ça en privé parce que waouh. On est parti, c'est la finale, c'est maintenant. Est-ce que vous laisseriez votre mec partir en vacances avec ses potes? Oui, parce que moi je compte partir en vacances avec mes copines. Elle a dit quoi là? J'ai dit. C'est les mêmes questions qu'à la dernière vidéo. Oui. Pourquoi? Bah t'as le droit d'avoir une vie. Non. Une vie, nous deux. Oui, nous deux. Non mais tu allais en vacances avec tes copines, pourquoi faire? Avec mes copines quoi, je les pourquoi aime. Pourquoi faire? Non. T'as pas envie de partir en vacances avec tes potes? Non. Entre potes? Ouais, moi ouais. Pourquoi? Mais pas toi non. T'as pas confiance? Ah ouais, frère. Ah ouais, non. Non, hey, j'espère qu'il est là pour le divertissement, frère. Ah ouais, bah en fait, ta meuf, c'est ton esclave, en fait. Mais t'as pas confiance en toi? Bah si, j'ai confiance en moi. Bah pourquoi tu me laisserais pas aller en vacances? J'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en toi. Oh. Non, ça c'est une excuse. C'est pas une excuse. C'est un homme qui se cache derrière. Ok, tu vas partir en vacances avec tes copines, pourquoi faire? Parce que je m'entends trop bien avec elle, qu'on rigole tout le temps. Ok, tu t'entends bien avec elle. On a des centres d'intérêt communs. En France? Pourquoi tu vas qu'on se maquille ensemble, qu'on fait tout ensemble? Bah tu peux te maquiller chez toi avec tes copines. Ah ouais. Ok. Les meufs, plus elles parlent avec ce gars, plus elles se disent, mais en fait, ce mec il est pire que nous. Ce mec c'est un malade. C'est pour la merci. Moins un là. Mais moins un toi? Il est fou ou quoi? Que tu pourrais laisser ton mec aller en vacances avec ses potes? Je pense que oui, s'il y a de la confiance, il y a un respect aussi. Oh, il a fait un... Oh, Samuel, oh. Samuel. Non, je suis pas d'accord. Comment t'es pas d'accord? Il n'y a pas de vacances. Toi, tu pars en vacances, tu profites, tu me laisses en vacances. Moi, je pars en vacances avec toi. Ah, tu pars en vacances avec moi? Non, moi. C'est pas ce que tu veux, en fait. Le gars, il se comporte comme le mec que j'ai derrière. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Et il y a la ref. Ouais, je sais. Bon, les réponses sont assez similaires, mais entre les deux, laquelle tu préfères? Ce mec, c'est le dictateur de la séduction. Je vous jure, Alexis Chen, il prend le texte, il se dit bien esclavagiste, bien misogyne, il respecte pas les femmes, excellent. Aucune, du coup. Faut quand même faire un petit choix. Un petit choix, mais elles ont déjà la même chose. 0-0. 0-0, ouais, de toute façon. On calme. Prochaine question, quel cadeau vous ferez à votre mec? Je sais pas.
T'aimes quoi? T'aimes t'habiller? T'aimes les voitures? Ah, tu pourrais m'offrir une voiture? Non, mais attends, je suis en train de te demander qu'est-ce que t'aimes là? J'aime bien manger. Je vais t'offrir un tacos. Ah ouais? Bah, en vrai, je te laisse ma carte bancaire. Hein. Tu fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi la meuf dans l'histoire, c'est quoi? Accroche sa pute ou quoi? La folle ou quoi? What did he say? Hey, je suis pas ta racaille, moi. C'est un cadeau. Mais non, c'est pas un cadeau. Mais si, t'as les mains libres. Elle a dit, elle a dit. Non. Je suis mort. Ça, ça, tu veux juste te débarrasser de moi. Oh, elle a dit. Choisis elle. il avait le choix, soit le choix entre une carte bancaire et un tacos. Il a choisi un tacos. Un zéro. Un zéro pour elle. Un zéro. Les filles, vous préférez un garçon beau et pauvre ou un garçon moche et riche? Pauvre, non, riche et moche. Large. Bah, il faut qu'il mette bien sa famille, genre. Il faut que ce soit un bon papa, un bon mari. Elle veut l'argent. Donc t'as un bon papa parce que t'as de l'argent? Vas-y, toi. Pour elle, hein? Ah ouais? Bah non. Moi, ça veut dire tous les jours, je me réveille, tu vois, ma gueule. Et ça, je t'habillerai. Et alors? Je fais en sorte que tu t'améliores. Français. Moi, je pense qu'on part du bus, on va avancer ensemble. Même si t'es pauvre, je vais tout faire pour qu'on va vers le haut. C'est bon, j'ai compris, ouais. Tu peux me donner. Non, elle a pas dit beau ou pauvre. Ah ouais, mais... Ah, t'as choisi elle? T'as choisi elle, du coup? Bah ouais, je choisis elle. Claire, net, précis. Comment tu peux faire... Tu parles comme un mec qui a pas d'argent. Wow. Les filles, c'est quoi le cadeau le plus cher que vous avez déjà acheté à un garçon? Moi, c'est pas un cadeau, hein. C'est... Un matou. Non. C'est de l'amour. Oh, elle me fait oublier les dingueries qu'elle a dit tout à l'heure. Oh, c'est trop chou. Regardez leur tête. Je vous dérange pas, les gars? Eux, dès que c'est sain, ça les dégoûte, en fait. Je suis pas un homme. Je suis pas de cadeau. Les réponses, là, oh mon Dieu. Je suis pas de cadeau, Attends, je suis pas un homme, donc pas de cadeau. Dégage. C'est quoi le plus gros cadeau? Mais comment le plus gros cadeau? J'ai eu que deux mecs, dont un quand j'étais plus jeune. Et non, j'ai... Même une glace. Non, parce que l'autre... Non, ouais, non. Ok, et eux, ils t'ont déjà offert des trucs? Ouais. Ah bah ouais, logique. Attends, mais les deux là, c'est dur, frère. Non. À une époque, j'ai connu plein de personnes qui étaient comme lui. Après, l'amour, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est faux. Ouais, c'est du violon. Non, mais c'est faux. Match nul. C'est toi. Okay. La dernière question, on va te départager. C'est toi, tu en as posé même. Les filles, est-ce que vous pouvez me donner trois raisons qui fait que je choisirais toi ou toi et pas elle? C'est un entretien d'embauche là. C'est quoi cette question de fou là? Pourquoi tu me choisirais? Bah, parce que je suis moi. Tout simplement. Tu dis quoi d'autre? Je suis loyal, gentil. T'es bon. Loyal toi? Réponds à la question. Vous allez à un date pour rencontrer une nouvelle personne. Cette personne, elle est en date avec vous, mais elle parle encore à son ex. Vous appelez ça de la loyauté, ça? Effectivement, c'est un red flag ambulant. Qu'on dirait pas, parce que je suis belle et métisse. T'es belle? Oui. C'est vrai. Belle et métisse? Bah, en vrai, moi je suis unique, hein. Je suis pas comme les autres. Bah, toutes les filles disent ça. Ah non. Moi je suis pas les filles, moi. Et c'est quoi que t'as d'unique chez toi? Quelque chose que t'as que personne d'autre a. Je suis très agressif. Hein? Vraiment pas unique. Cool. Allez, passe-moi le micro. Passe-moi le micro, t'inquiète. Alors, tu vas devoir choisir laquelle tu choisis entre les deux. Sur tout l'ensemble qui s'est déroulé depuis le début. Tu dois vraiment tout prendre en compte. Tu poses avec ton cerveau, tu réfléchis. Elle, ça se voit, elle est folle. Oui, ça se voit qu'elle est folle, wesh. Elle a sorti, je suis... Comment ça, t'es agressive? Non. Et elle, ça se voit, c'est une sorcière. Ah, ouais, tu t'as une tête de sorcière. Tu sais, c'est une métisse? Ouais, peut-être. J'ai déjà dit, j'ai rien à voir avec ces... Non, non. Je me suis déjà fait tromper par une métisse. Tu te fais tromper par un blanc, c'est pour ça que je touche plus les blancs. Tu te fais tromper par un arabe, c'est pour ça que tu touches plus les arabes. Elle a pas tort. Elle a pas tort. C'est bon, les... J'ai pas tort. Tes propos à la Bassem. Est-ce que tu penses que toi et moi, ça va aller loin? Je sens qu'on n'a pas la même maturité. Peut-être, ouais. Pourquoi tu te penses sur un gamin? Un peu, ouais. C'est qu'une impression. Tu m'as dit, ouais, les métis, c'est des sorcières. Et alors? C'est un truc de petit de dire ça. Elle a pas tort. Bref, c'est pas la question. Bah, c'était mature, oui. Dans 5 ans, tu te vois où, toi? Je me vois avec des enfants. Bon. Mauvaise réponse. Stop. Et toi, dans 5 ans, tu te vois avoir des enfants? Ouais, non, en vrai, je pense que je veux pas d'enfants. J'ai réfléchi, mais je pense que je veux pas d'enfants. Bon, Deven, il est temps de faire un choix. Elles sont là, elles sont deux. T'as posé plein de questions. Ouais, j'en ai trop posé, mais... Maintenant, faut faire un choix. Répondu et tout, c'était quand même... Ouais. Vas-y, mon enfant. Eh, j'ai déjà dit, moi, je veux pas d'enfants. Ouais. Donc, mon choix va se porter sur elle. Bien, c'est ta tout, décision finale. Par dépit, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est jamais contente? C'est l'amour et la haine.
Elle est jamais contente. T'as choisi. Moi, je vais t'as choisi, là. Bah, en vrai, moi, j'ai rien à dire. T'avais ton choix et... Non, frère. Vous mettez la musique en mode elle est miskine, frère. Elle a rien perdu, frère. Je valide pas ce montage à ce moment-là. Vous la mettez en mode elle fait pitié. Mais toi, il veut avoir les deux. Il veut avoir les deux. Pas devant celle que t'as choisie. Devant celle que t'as choisie. C'est un câlin pour dire au revoir. Il est trop fou. Bon, papy, là, je crois qu'on a fait du bon boulot. Regardez, ils sont mignons, ouais. Vraiment. Ils sont trop mignons. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Bon, enfants, je crois, ils sont pas trop dans celle-là. Ah ouais, enfants. Tu connais, hein. En fait, j'avoue que ça me choque qu'elle ait gagné en ayant fait la dinguerie qu'elle a fait dans le dernier épisode. Sans enfant. Ouais. T'es content, est-ce qu'on t'a bien aidé? Non. What? Tu veux qu'on te la reprenne ou quoi alors? Mais tu sais que si on la reprend là, elle part pas avec toi. Ah ouais? C'est le pire couple de tous les temps, si je peux me permettre. Tu veux partir? Ouais, voilà. Du coup, le nouveau couple. Le nouveau couple. Ouais, le nouveau couple. Oh, je suis sérieux là? Pourquoi t'as pas répondu? Lâche-moi là! Y a que des embrouilles entre eux, laissez tomber. Mais c'est ça l'amour. Ouais, vrai. C'est ça l'amour. C'est pour ça. J'espère que l'épisode vous a plu. Le couple, il a zéro complicité. Vous a plu? Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, comment... Bruh. Oh, la gueule du couple. Bientôt l'épisode 3. On va encore aider encore. Quelqu'un. Vous allez voir, le prochain épisode, restez branchés. Oh, vas-y. Tu parles trop. Allez. Va. Ouais, bon, bref, on a capté. Je crois que je comprends la polémique, mais la vidéo, elle est divertissante de fou. Bravo à l'équipe de Tislash. Bisous, YouTube.